Donc, frein de parc, j'ai remis le merdier là-bas. Bon, alors quand même, un petit bonjour Damien. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Prêt pour ce premier vol à départ de Logne? Ouais, bah... Bon, Jean-Luc. Habitué. Nos stress. Tout est nickel. Voilà. Le détail qui tue. Voilà, comme ça c'est bien. Parfait. Alors donc on va remettre en vol, en route, pardon. Donc l'horamètre. T'as vu l'horamètre, on était à 14. Il y a toujours 5 minutes d'horamètre entre le moment où on démarre et le moment où voilà. Les sièges sont verrouillés, le frein de parc il est serré, les volets sont rentrés, symétriques, le sélecteur d'essence il est ouvert, transfert carburant il est poussé, réchauffe carbu, clac, elle est bien, mixture elle est en haut, toutes les servitudes sont off, donc on a ça qui va bien, l'avionique master est off, les disjoncteurs on les revérifie, ils sont bien, les deux là sont bons. Contact batterie, il est sur on. Donc on est sur plein carburant ici. Donc on a l'autonomie qu'on avait évaluée tout à l'heure à approximativement à 3 heures de vol pour un vol qui fait 1h30. Si on colle à 10h30, 10h30 ça fait 13h. Allez, on va dire 13h15, il faut être posé. Pour une arrivée à 11h45, on est bon. Enfin 11h45 midi finalement vu le moment de donc toute servitude avionique, contact batterie, autonomie, alarme. Ok. Et balise de détresse, elle n'a pas bougé. Feu anti-col sur on. Donc ça veut dire qu'on va démarrer. Verrière tirée non verrouillée. Pompe électrique sur on. Donc je suis sur 1, 2, 3. Je fais deux injections parce qu'il a déjà démarré. Personne. 3, 2, 1. Donc tout va bien. On a vu que on peut s'attacher maintenant. L'audio tout à l'heure, j'étais bonne. Donc c'est un système de clip de balle. Le mieux à faire c'est un port de pour avoir un minimum de. Et après derrière. Voilà. Oui. C'est bon pour ta radio. Le câble est pas trop. C'est bon. Et je vous entends tous les deux. Et nous on t'entend également. Affirme. Le moteur chauffe, alors on fait continue. Lui il se démerde, il vit sa vie. Voilà. Mes fils ils sont ici. Le moteur, donc j'ai dit, chauffe gentiment. Donc là tu vois, on va mettre 109 litres puisqu'on est sur le central. Et plein, donc on est 33 litres heure. Donc en gros on a 3 heures. 3 fois 3, 9, ça fait 3 heures.
détail plan, menu, catalogue, on est sur LFPL. Et c'est là. Il n'y en a plein, voilà. Oh, ici. Ah, okay. Donc on fait preview, UTLA, LFAF, LFAV, on active, ok. Et on est sur la première route. Au début, ça m'a joué des tours. Ok. Donc on a le fuel flow, donc on a fait ça, c'est bien. Flight plan, radiocom, on va parler. Et le 069, je m'en sers jamais. Par contre, altitude 1500, voilà. Le barreau, il y a 1019. QNH 360. Là, c'est un truc important, c'est bien celui-là. Conservateur de cap, altimètre de secours réglé, ceinture, harnais attaché. Tout le monde est attaché, tout le monde est au départ, il n'y a pas de... Oui. Donc prochaine étape, sur là, 26 durs confirmés, quasiment pas dedans. Bonne information du Fox Novembre Lima, avitaillement parking par compte numéro 3. Je roule 26 points d'attente, 26 durs, je rappellerai près. On refait un essai de train, Royal. Donc nous on va se mettre sur l'autre là-bas. Donc il faudra penser à lancer la GoPro 4. La monte, on met un peu de patate. Donc on roule à 1000 tours. Non, c'est trop rapide. Lognet de Foxy, Golf X-Rego, Solimar, bonjour. Un DR400 Opal à l'essence. Le roulage pour un vol sur Dieppe, je roule donc vers TQV Novembre, vers le point d'arrêt 26 durs. Donc on voit qu'au niveau de la couche nuageuse, comme annoncé, on est sur du Kavok dans la région. Donc le QNH 1019, ben je l'ai eu grâce aux infos Métar, en particulier de Melun et de Orly. Après ça colle avec le nôtre, hein, donc avec l'altitude du terrain, donc on est bien. On a l'impression qu'on n'avance pas, mais à côté de ça, le moteur il chauffe. On est toujours dans le vert au niveau de l'huile, la pression d'essence est bonne. Donc là, tu vois à gauche, c'est la mécanique. Ok. Donc là, évidemment, tout est fermé, on est dimanche. Pas quel aéroclub ça correspond ça. Donc vent quasi nul, hein, toujours pareil. Voilà, les pieds sur les freins, 200 tours, frein de parc serré, et là on va faire la check. Alors, roulette de nez, ok, frein de parc, je viens de le serrer, le sélecteur d'essence, il est toujours sur ouvert, transfert, il est toujours poussé, la pression d'huile, on est toujours dans le vert, température, on est à la bordure du vert, d'huile, les commandes sont tenues, les pieds sont toujours sur les freins, on met 2000 tours. Voilà, donc on est stable là, magnéto, F, 80-100 tours,
revient au centre. Right. Pareil. Alors sur celui-ci, maxi 160. Voilà. Derrière, je réduis tranquillement. En 700-800 tours. Donc, ralenti, stable, pas de détonation. Je remets 1000. Donc, on est OK. Donc, fin de parc, on les maintenait serrées. Contact magnéto. Tant sur Bose, l'alternateur, il est sur ON. On est dans le vert, le voyant est éteint. Échauffe carbu, elle est poussée. Pure, elle est toujours en haut. Le sélecteur d'essence est toujours ouvert. Autonomie, rien passé depuis tout à l'heure, sinon ça serait une fuite abondante, quoi, terrible. Altimètre de secours, donc on est toujours 360, c'est bien. 350, 50, bien. Commande. Donc, engage. Table. Sur les côtés, on est bon. Et on pédale, tout va bien. Le compensateur entre 3 et 4, donc au décollage. Ceinture harnais, tout le monde est toujours attaché. Okay. Oui. Il n'y a pas un qui a une furieuse envie de descendre, hein, ça va? Non. Non. Bon. Sur attaché, on met la pompe sur ON. Volet. Donc il a aussi un battement. Un cran à gauche, on est vert. Un cran à droite, on est bon. Les éjecteurs sont en place, dans leur place habituelle. Température là, voilà, ça y est, on est tombé dans le vert là, juste à la ligne. Temps normal. Donc briefing décollage final. Donc le briefing décollage, on est sur la 26. Donc on reste dans l'axe, on va chercher la montée pour passer au-dessus du... Tiens, on va fermer ça là. Ah. On va chercher le passage au-dessus du... Qu'on appelle ça, du damier. Et on va chercher à monter donc à 1500 pieds qui est l'altitude de sortie. Donc vitesse de rotation 54 nœuds, montée normale, montée initiale 70 nœuds, montée normale 80 nœuds, et on cherche donc ces 1500 pieds. En pratique, moi je prends 1400 plus. Je risque de mordre un petit peu. Bon. L'important c'est que quand on passe à écho, on soit clairement au-dessus de 1200 pieds puisque c'est l'altitude de retour. Ok. Ça c'était le briefing décollage, le briefing sécurité, donc quel quoi qu'il se passe. Information, bonjour, du Fox Golf Hotel Delta 2 fois. Dans la piste en route, on réduit tout freinage adapté, et on prévient tout le monde, comme quoi on a interrompu le décollage. En cas de panne mineure après, c'est-à-dire typiquement il y a des voyants qui s'allument, des trucs comme ça, ou un truc qui nous paraît bizarre, hop, on fait un tour de piste, on revient se poser donc en 26, et on prévient avec un panne. Au contrôle, qui n'est pas, mais il y a du monde quand même. En cas de panne majeure, par contre, après la rotation, là il n'y a plus grand chose à faire, c'est que tu vas faire un atterrissage d'urgence en secteur avant, donc moteur tout réduit. Normalement, il faut arriver à réduire la mixture, fermer tous ces trucs-là, mais si c'est vraiment juste après le décollage, un truc à faire, c'est si tu as le temps de lancer un Mayday, Mayday, tu le lances, et après c'est se poser en face, les meilleures situations possibles. Ok. J'ai pas vu beaucoup d'oiseaux, le courant d'air est toujours bon. Alors, entre deux, on va lancer cette caméra. L'ONI information, Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, bonjour. Fox Novembre Alpha, voilà, 402 personnes à bord au parking de Saint-Denis-le-Coin. En termes de décollage, on a vu ce qu'il fallait faire et tout ça. Voilà. Dur pour un vol à destination de Cézanne. Un départ. Donc on va décoller à 10h40. Bon. L'ONI information Fox Novembre Lima, point d'attente 26 dur novembre unité. Nous sommes prêts, pas d'avion en vue à l'atterrissage, donc nous roulons, nous prenons sur la 26 dur en saline pour décoller. Vol à destination de LFAV Valenciennes. Température au sol 20 degrés, donc c'est nickel. Alors je vais faire comme si on était en plein été, tout ça. On est à 20-30 kg max de la masse max. Donc je préfère faire tout en sécurité, toujours. Je dirais que prendre le maximum de marge.
Voilà. Alors, pied sur les freins. On a la pompe, on a un cran de volée. Tense maximale. L'information du Fox Hotel Charlie Novembre 2 fois, bonjour. 1200 tours. L'information du Fox Novembre 2 fois, bonjour. On est à 112, 3 personnes à bord. Madame Académie. Sur le point d'attente, 26 heures, taxi Novembre. Le badin, il s'active. On sent qu'il monte en puissance. Pas d'alarme, 45 nœuds. 55, tire. On donne un peu de patate. On prend 70 nœuds. On est 70 nœuds, montée initiale. Nominale. On a décollé, tout va bien. On est déjà 80 nœuds. Pieds, je coupe la pompe, je rentre les volets, plus de volets, pas de badin, pas de voyant. C'est mieux comme ça. Voilà. Le H en damier, il est là. Parfait. Faut que vous êtes deux fois au point d'attente 26 durant sa ligne, on décolle pour un local parti écho. Voilà. Allez, le premier virage incliné qu'on va faire, c'est le bon. Après, il y en a plus de pareil, normalement. Voilà, 30 degrés. 1400 pieds, j'ai l'altitude que je voulais. Bonne information, Fox Novembre Lima, DU de vent arrière, sortie par écho, direction était là. Donc j'aurais dit un petit peu. On est dans le vert, on est clairement dans le vert. 2500 tours, 400. 50 pieds, voilà. On stabilise. On a la vitesse de croisière attendue, à savoir 115 nœuds. Notre plan de vol est actif. Tout est nominal. L'ONU information du Fox Hotel Charlie Novembre 2 fois, je balie et décolle piste 26 dur. Et voilà, on est parti. En premier décollage à l'ONI. Chouette. C'est le premier, ça veut dire qu'il y en aura un second un jour. J'espère. Donc on n'a pas de voyant. Le petit sort du voyant orange maintenant, tu sais. Normal. Alors 2500, c'est 2500, hein. L'ONU info de Golf Lima, je m'aligne et je décolle piste 26. Donc on est que 120 nœuds. Pour un départ par écho. Pas 270, 300. Donc là tu vois si quelqu'un arrive, il est bien en dessous. Ouais. Nous on est sur la sortie de tour. Pas du vent privé. On rentre en vent arrière 1500 pieds pour une sortie écho. Le point suivant, enfin le contrôle suivant, c'est Paris Info. Voilà, maintenant qu'on est stabilisé. Vous avez fait deux fois début de vent arrière, 1500 pieds pour une sortie écho. Donc je mets même 43 pour le point de départ. Voilà. Donc maintenant le poids était là, c'est pas compliqué. On suit l'autoroute. Okay. Donc il annonçait 8 minutes.
On voit qu'on a un petit vent arrière, bon, pas grand chose. On est sur du 120 nœuds là quand même. Donc comme quoi il est. Voilà, donc tu vois on a 16 nautiques, donc ça fait 8 minutes. En gros, on est parti donc à 40, ça veut dire à 48 on sera sur Utena. Voire même un peu avant. Jean-Luc. Ouais, je veux bien que tu fasses la carte 250 millièmes s'il te plaît. Novembre 2. Passer laquelle ? C'est celle-là ? Ouais. Voilà. Je m'aligne et je décolle piste 26 heures, Fox Novembre Alpha. Bonne information, Fox Novembre Lima, on est 2 minutes après Echo, donc on va quitter la fréquence et passer avec Paris Info. Au revoir, bonne journée, bon vol à tous. Bon. Fox Charlie Charlie, c'est l'information, bonjour. Je vous rappelle, Charlie Charlie et c'est Paris Info, je vous rappelle. Donc voilà, alors là on est tranquille, il n'y a plus qu'à tirer. Alors normalement on suit un 0,69. Bon le truc c'est que si on suit le 0,69, on passe au-dessus de tout ça là. Ouais, c'est pas tellement conforme à la réglementation pour respecter l'habitation. Donc en gros tu suis le cheminement de l'autoroute. Juliette Alpha Kilo, il s'arrête. Fox Charlie Delta. En pratique on est quelque part. Le clinage régional, le 1020, unité 020. Unité 020, merci. Donc tu vois quand il dit ça, Paris Info, Charlie Golf à plan, bonjour. Parce que Paris Info, c'est une zone qui est hyper étendue. Toute la partie nord de la France, en fait. Hôtel Alpha, Charlie Charlie, bonjour. C'est grand, c'est un... En plus, ça souligne bien parce que dans le nord, au départ de Paris, à destination de Deauville, nous sommes à 2300 pieds au clonage 1018. On appelle ça l'échangeur autoroutier, donc on est là. Charlie Charlie, reçu 70 secondes de profondeur unité 2. Donc, tant qu'on est ici, tant qu'on n'est pas UTLA, on reste à 1500 max. On est sous la TMA classe A de Paris. On n'a quasi pas de vent. Là, c'est facile, quoi. Rien, Fox, Fox, Juliette Papa. Fox, Juliette Papa, bonjour. Fox Hotel X-Ray, Juliette Papa, B23, provenance de Persan en destination de Cambrai. À gauche, t'as la ville de Meaux, quelque part dans le vert marron là, t'as le terrain de Meaux. Papa reçu 70, 10 à gauche. Tu vois le lac qui est là ? Ouais. Une partie verdoyante avec une terre de forêt. Mais juste derrière, t'as les pistes de Meaux là. Ok. À 10h. Fox Hotel Charlie, c'est noté. Fox Juliette Papa. Fox Hotel X-Ray Juliette Papa. Il nous dit 38. Ah oui, d'accord. Fox Hotel X-Ray Juliette Papa, vous me recevez ? Sur une fois que Juliette Papa. Alors vous êtes identifié, 47, et... là j'avais calculé 48, il annonce 1 minute. Donc on est bon quoi. Alors la route suivante, ça sera 0,28. Est-ce que c'est mieux là ? Non, pour l'instant non, je vous dis ça dans quelques secondes. Donc la ville de Meaux à gauche. Oui, je vais papa, donc là c'est bon, donc vous êtes limite des zones de Beauvais, hein. Donc si vous montez, vous les contactez, vous me prévenez. Très bien. X-Ray India Paris Info. Golf Uniform X-Ray India Paris Info. Alors Fox Golf Uniform X-Ray India Paris Info, si vous recevez, vous approchez de l'Aigle, qui était votre destination, a priori, l'aigle. Donc si c'est le cas, c'est bon, fini, et vous pouvez quitter. Donc ils sont vraiment loin, pour dire à quel point ça va loin. Alors là, on a un petit point de repère normalement. Le Golf Zulu Sierra. Call me on 125.7, please. 125.1. Par contre, là, on voit qu'on est pratiquement sur la trajectoire nominale prévue. Alors, Utena, en gros, c'est plus ou moins le récepteur qu'on voit là. En fait, c'est avant. Non, je crois que c'est avec un peu de temps. Donc, on va y faire confiance à lui. Radio 5. On va prendre
028. Voilà, on est UT là. Hop. Priorité, personne à gauche. Québec, si on tire sur le champ de gauche, de 10 pratiquement, donc si je vais à 028, facteur de base 0,5, ça fait 4 degrés. 70, donc 0, je mets 24 pour compenser. 5. Voilà, tu vois 24-25. SN Paris, pardon, du Charlie Delta. Pour quitter la fréquence et passer avec Cône à 4 minutes d'éteint. Charlie Delta reçu, 7000 avec Cône, bonne journée, au revoir. Oui, merci madame. Donc en gros, on tangente celui-ci. Donc par rapport à ma trajectoire, en fait, je suis même un petit peu à l'intérieur par rapport à ce que je veux. Donc j'avais pris un Nutella un peu trop proche pour moi. Vous êtes identifié, vous montez à combien? Et maintenant, vous descendez à combien? Parallèle, parce que j'ai une cible au milieu de la trajectoire. Oui. Ah oui, information, 2 kg X-ray pour quitter pour montagner dans la fréquence. Ok. Alors, kilo X-ray reçu, donc vous me rappelez, et pour info, j'ai perdu le contact radar. Et en même temps, je respecte les limites. Je vous rappelle pour le retour, kilo X-ray. Vous êtes proche de Lens, c'est correct? Tu vois ce que je cherche chez moi? C'est correct, on vit déjà en parallèle à l'autoroute. Vous pouvez voilà, cliquer, puis proche du plus tard, au revoir. C'est vraiment là, je t'appuie sur la bordure. Donc je me décale un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je cherche, un patin qui est... Par contre, à partir de là, maintenant... Sierra Victor Colling, bonjour. Dans une minute. Bonjour, Fox Uniforme Fox Alpha Romeo Paris Info. Ok. Chaîne à gauche, la chaîne Marne. Fox Juliette Papa. Oui, Fox Juliette Papa. Vous gardez ce cap. Donc après, tu vois, je vais essayer de se mettre comme ça sur la carte. Donc contactez Beauvais 123, décimale 98. Jean-Luc. Ouais, à gauche. Lizy sur Urk. D'accord, ouais. Tu te rappelles? Ben ouais. Évidemment, c'était il n'y a pas longtemps. Ah là, on voit même la pyramide. Je viens papa avec Beauvais 123-985-7000. Je viens papa, je passe avec ce Beauvais. Ok, bon, bah. Donc si on a dit que par le travers qu'on est là, on a l'autoroute qui se barre par là-bas. On a un échangeur, on a un truc. Tiens, regarde-toi, il y a un machin rouge et blanc là-bas. Ouais, ça doit être celui qui est indiqué là, c'est pas haut. Donc en gros, tu vois, Lizy à gauche, celui-ci qui est là, on est pile poil. Donc à partir du moment où on est ici, qu'on a dépassé les 1500 sécures. Uniforme Alpha, vous me recevez? C'est que là, je mets la patate. Donc, c'est Uniforme Alpha, vous me recevez, c'est bien attention à éviter la ZRT au-dessus de... Atterri à gauche. Hein. Un nœud. Fox Alpha Romeo, c'est radio. Alors, on cherche normalement 82 pour la montée optimale. Échauffement maximum du... optimal du... moteur. Non. Et on monte plus vite évidemment. Paris Information de Fox Novembre Québec, bonjour. Fox Novembre Québec, Paris Info, bonjour. Oui, Paris Information de Fox Juliette Sierra, Novembre Québec, un camion rouge et blanc de Fontenay-Trévigny à destination de Montceau-les-Mines. Je suis actuellement à 3200 pieds, QNH 1019, 7300. Éolienne là-bas, on en a deux devant. J'ai tiré à Novembre Québec, affiché 70-10, 7-0 unité 0 et nombre de personnes à bord. Voilà, 2300 pieds, 20 degrés. Un POB, par rapport à ce que j'ai là, ça me va. Aussi. Donc je
le remets à plat, j'attends un petit peu de reprendre un peu de vitesse et je mets 2500 tours, qui est le Echo paramétrage. Tango Delta Echt Tango Lima Paris. C'est déjà bien trimé, il y a besoin de toucher arrière. Contact Brest 118 décimal Echt Echt 5. Oh là. Ok. Donc, Echo Tango Delta Echt Tango Lima Paris, do you read me on 121 decimal 5? Qui m'intéresse, il est là. Donc on va passer Teuilly sur machin. Voilà, 20 degrés, ça me paraît bien. Des petites barbules à deux balles. Paris Information du Fox Novembre Lima, bonjour. Je vous rappelle. Alors j'attends du type, parce qu'en général, quand on est un peu bas en arrière, je ne vous capte pas. Même si en pratique, en, quoique non, il y a Beauvais qui est off, donc on va rester avec eux longtemps. Fox Novembre Québec, identifié radar. Novembre Québec. Fox Novembre Lima, plan Paris Info, bonjour, allez-y. Paris Info donc du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400, 3 personnes à bord. Nous sommes partis de Logne, destination Valenciennes, LFAV, AFA Victor, 2300 pieds pour passer en fréquence avec vous. Reçu, novembre Lima, affiché 70, 17, unité 7. Transpondeur 70, 17, affiché. Delta Echo Tango, Whiskey Echo, Paris Information, okay. Bonjour. Donc maintenant le truc intéressant, c'est vraiment de suivre... Delta Echo Tango, Whiskey Echo, Paris Information, oh. Bonjour. Donc tu vois, altitude 547 pieds, on est 2300 pieds, 2800 pieds, donc on est 800 mètres. T'as l'impression que t'es 200 mètres à 2400. Whiskey Echo, Paris Information, do you read me? Je me disais, je monte un peu, mais... Novembre Lima, Paris Info. Novembre Lima, écoute. Donc, identifié radar, vous pouvez me rappeler 125 décimales 7? 125 décimales 7, je vous rappelle. Station qui essaye d'appeler Paris Info. Oh bon, on a le Yankee Fox qui essaie de vous contacter. C'est le Fox Charlie de Fox. Alors, Fox Yankee Fox, et ses radios. Alors, le Fox Yankee Fox, qu'il essaye dans ce cas-là, je sais pas sur quelle fréquence il est, 125.7 ou 126 unités. 126 unités ou 125.7, je lui transmets, Fox Charlie de Fox. Merci. Fox Yankee Fox, vous me recevez? Paris Info, Novembre Lima avec vous, 325.7. C'est parfait, je vous reçois 5. Fox Québec Chantilly, Paris Info. Tu vois, sur la trajectoire, il y a des écoute. Québec Chantilly 7000, vous êtes à 3 minutes de Clermont. Vous pouvez les contacter, 120 décimales 665. Derrière, il y a la ville de Neuilly, machin truc là. 7000, l'espace avec Clermont. Derrière, j'ai une ville. On va dire un peu cette acabie là. Je crois qu'il y a celle-là aussi qui sont intéressantes. Hein. Bravo Victor Yankee Fox du Fox Hotel Alpha Charlie 2-3, vous recevez, passez avec Paris sur 125.7 ou 126 unités. Donc là je vais chercher des infos à gauche, tu vois, j'ai une grande ville là-bas. C'est la Ferté-Milon a priori. Delta Echo Tango Whiskey Echo, do you read me? Donc on sait qu'on est quelque part par là, avant gauche, grande ville, Ferté-Milon. Bonjour, Patio LMS. On y repasse tout à l'heure. Delta Echo Tango Whiskey Echo, Type of Aircraft Tango Whiskey Echo, November. We have a flight to Echo Golf, Bravo November. Present position, shortly for Orvos Point, pipeline level 6700. For traffic information. And pipeline plan. On est passé à 48. Donc ça fait 50, ça fait 7021. 11h00, dans 2 minutes on passe au-dessus du point qui m'intéresse. 7021. On y passe même maintenant. Il y a ce truc-là, je sais que c'est Québec. Alors, Québec, c'est quoi? Est-ce que vous auriez une possibilité de passer sur la fréquence de détresse 121.5 et de voir si vous recevez quelque chose? Alors là, le problème, c'est que je suis en info, on n'a pas ça. Donc là, pour moi, on y passe plus ou moins, là. Les poussières, on a un peu de vent. Là, c'était un point de repère quand j'étais venu, là. Ouais. Je vais
savez qu'on est à proximité, alors je regarde. Fox Hotel Yankee Papa Tango, bonjour. Fox Hotel Yankee Papa Tango, par info, bonjour. Paris Info, Foxtrot Papa Tango, un Tecnam P2008, une personne à bord en provenance de Charleville-Mézières pour un retour sur Valenciennes. Je souhaiterais rester à 36 pieds, s'il vous plaît, madame. Papa Tango affiché 70-22-7022. Profondeur 70-22, Foxtrot Papa Tango. Delta Echo Tango Whiskey Echo, you are well identified. Delta Echo Tango Whiskey Echo, identified. Novembre Québec en fréquence. Oui, Paris de Bavance, Québec, je suis passé sur 121.5, il y avait une communication très hachée en langue anglaise, j'ai pas compris les indicatifs. Je vous remercie. Bavance, Québec, c'est rien. Donc, ouais. Alors, il n'y a rien de plus qui ressemble à un patin qu'un autre patin, évidemment. Pour ce goal, Charlie, uniforme alpha. Donc, je peux pas dire à quel moment. Normalement, je voulais le mettre en dessous, là. Bavance, Québec. Ah, j'aurais pu faire un Fox point précis. Fox November, Lima, écoute. Trafic droite-gauche passant dans vos midis à un peu moins de 2 minutes, 200 pieds haut. C'est reçu, nous surveillons. Carré information, Fox Trot Golf November, November Alpha, bonjour. Bon, alors je voulais monter pour aller ici, là. Fox Golf November, November Alpha, Paris Info, bonjour, allez-y. Fox Trot Golf novembre, novembre Alpha, un DR400, deux personnes à bord, provenance Lyon, destination Lyon, on est en exercice de déroutement aux alentours de la Ferté Gaucher, 3500 pieds, 1019, transpondeur 7000 pour le suivi de vol, s'il vous plaît. Novembre Alpha reçu, 70-11 au transpondeur, unité deux fois. Unité deux fois, Fox Novembre Alpha, merci. Golf Zulu Sierra, Paris Information. Zulu Sierra, redefined. Golf Zulu Sierra, Scope 7000, contact Beauvais, 1, 2, 3, 9, 8, 5. Alors, je voulais monter un petit peu ici, là. Elle n'a pas dit qu'il était 200 plus haut. Ouais, ouais, bah justement, au moment où je voulais monter, elle m'annonce 200 plus haut, donc... Devant Lima, vous avez le visuel sur le trafic? Négatif, on cherche, on ne le voit pas devant nous. On s'est orienté légèrement à gauche. Alors, il est à peu près dans vos minutes, même altitude actuellement. C'est reçu, mon passager me dit droit devant même altitude. Moi je voulais monter, ça tombe bien, donc je grimpe de 300 pieds. Reçu, assurez votre séparation. Reçu. Yankee Fox, Yankee, oui. Hôtel Yankee Papa Tango identifié. Je crois. Fox Novembre Alpha, par info, ben, je vois. Identifié radar, assurez votre séparation, les exercices ont duré combien de temps? Il y a deux nuages blancs, un peu en dessous du nuage de droite. Et là on commence à l'instant, donc on en a pour 20-25 minutes. Parce qu'on en a un autre qui est passé juste avant là-bas. Ah bon? Ah, 10h, d'accord. Fox Alpha Romeo, Paris Info. Et il est plus bas. Il est à gauche puisqu'on a 60 qui est là. Fox Uniforme Alpha, Paris Info. Fox X-Ray India, Paris Info. Donc regarde, on a l'aérodrome de 60 qui est là. Fox Novembre Québec. Et donc on va grimper 3000 là. Sierra Novembre Québec, Paris Info. Il le voit toujours le trou, pas? Non. Fox Novembre Québec, vous me recevez? Ok, on va se mettre 3200. Fox Novembre Québec, 70-10, par information, vous me recevez? En tout cas, dans mon champ visuel, là, il n'y a rien. Québec, 70-10. Ah, mais pour moi, il est passé. Alors, Novembre Québec, encore tous mes remerciements pour l'écoute tout à l'heure. Vous affichez 7000 et contactez Clermont, 120 décimal 675. Au revoir, très bonne journée, bon vol. Au revoir, Paris Info du Novembre Lima. Paris Info du Novembre Lima. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'était pour voir 60, comme ça on l'a jamais vu. En fait, on va à Lan, qui est là-bas, à Lan. Donc on prend une grande courbure. C'est plus fun. Donc là, je vais prendre large pour éviter tous les villages qui sont ici. Parce que Soissons, il va quand même bien à droite, là. À la droite et au nord. Ce qui m'intéresse après, c'est devant là-bas. Je le cherche. Peut-être une idée.
Fox Alpha Romeo, si vous me recevez, vous pouvez afficher 7000 et contacter Rennes 134 décimal 0. 134.0 ou 126 décimal 95. Fox X-Ray India SR Radio. X-Ray India, j'écoute. Fox Golf Uniform X-Ray India, vous me recevez? Fox Golf Uniform X-Ray India, oui, je suis là. Fox Uniform Alpha. En boutel, Jean-Luc, on a Bussy, donc on peut saluer Fifi, mais ils sont pas là aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc là. Ok. Donc là, les îles, elle est en tour, hein. Normalement, je suis pas au-dessus. Pareil, il y a des endroits, il y a des petits patelins, mais on est au-dessus des 1700 pieds prévus. On a même quelques nuages en dessous, c'est fabuleux. Tu voulais passer à droite aux éoliennes, non? Ouais. Je vais tourner à droite, à gauche, tu sais, après, c'est pas. Donne un peu un point. Là, je respecte surtout les patelins. Donc, on voit bien. Poisson. Ouais, ouais. Bussy, c'est derrière là. Bon, donc tu vois, je passe vertical des éoliennes. De toute façon, pour aller à Lens, derrière c'est pas compliqué, t'as la nationale ou une autoroute. Hein. Ok. Si je dépasse l'autoroute, je suis pas bon. Je reste à gauche de l'autoroute, je suis bien. Le but du jeu, c'est de pas aller à l'autoroute. Voilà, alors, temps à 11h15, bon 10 minutes. Donc le premier job c'est de retrouver l'autoroute, on a trouvé l'autoroute. Fox Alpha Romeo. On est redescendu 2008, ça va très bien. Ah, je me disais, mais on est où là? Voilà. Poisson. Donc on a Pinon qui a un patelin de moyenne importance, comme ça. Et info du Roméo Victor. Celui-ci paraît un candidat Roméo intéressant. Victor, info, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Fox Juliette, Roméo Victor, un autogire décollé de Villefranche-Tarare, à destination de Trois-Barberey. Parce que je veux faire, je vais mettre à gauche. J'arrive à traverser l'autoroute là. On a bien l'autoroute là. Je suis seul à bord avec un transpondeur à 7 mètres. Voilà, il part comme ça, tu vois. Roméo Victor, je vous vois de l'extérieur, vous allez passer avec le FN 120. Donc je m'aligne sur le patelin et je pars à 45 à droite. 120-325. Ça me correspond bien là. Donc je pense que devant c'est Pinon, et voilà. Par contre le feu, j'aurais pu le mettre sur la carte, ça m'aurait bien aidé. 2800, c'est bien. Voilà. Donc là, vol complètement VFR, hein, par rapport à ce que je cherche. Hein. Et je reprendrai la nave avec celui-ci, j'en aurais envie. Une zone de non-vol. Quoi? Je sais pas. Bah tu vas le voir. Ça te parle Jean-Luc ça? Non, pas du tout. Bon bah c'est bien, ça vous fera la surprise. Et j'ai pas souvenir qu'on soit passé par Lens. Non. Et on va pas y passer parce qu'on va être à 3, 4, 5 nautiques à droite, dans étant là-bas. Donc tu passes au nord et après tu bifurques. C'est ça. Normalement on passait sur la partie ouest de Lens et ensuite on monte au nord. Mais en regardant la carte aux environs de Lens, j'ai trouvé ce truc-là. Et je me suis dit que c'était vraiment intéressant, donc on y va quoi. Alors après, tu vois, j'aime bien m'en repérer par rapport à... voilà.
bloqué le visuel. Un visuel sur ce que je cherche. Donc on a bien l'angle qui est à droite là. Pas de doute, hein, c'est ça. Donc ce que je te disais, c'est que j'aime bien me repérer sur les méandres, les fleuves, parce qu'ils te donnent des informations. Tu vois, regarde, je suis dans mon axe, pile à ma droite, et je vois un fleuve qui part comme ça. Donc si je vois un fleuve qui part comme ça, c'est bon, ça me donne un peu une idée de la ligne sur laquelle je me trouve. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est là. Mais pourquoi ? C'est prévu, c'est là-bas. Et je m'en fous, moi c'est ça qui m'intéresse. La proximité, ça sert de point tournant. Oui, c'est pour vous signaler un trafic 2 minutes devant, même altitude, dans vos 12 heures. Ah, c'est bien copié, on garde l'œil. On va donc on va descendre. On va essayer de descendre de l'essai. À vous, comment vous assurez votre séparation. Descendre, voilà. Devant, c'est Lan. Donc la ville de Lan, elle est ici, et là c'est Lan couvert. C'est une ancienne base militaire, notamment pendant, enfin qui a été à l'OTAN, dans les années 50-60. Jusqu'à ce qu'un certain monsieur Charles de Gaulle dise. C'est donc on a la ville de Lan à droite, et va lever. Donc le sol dans les environs, tu vois, il y a 230 pieds, donc je le respecter au minimum, c'est 1300, c'est près de 3500. Bon, il y a des endroits, c'est des habitations sans être des habitations. Oscar, Echo, Hôtel Delta Sierra. Donc voilà, j'ai stabilisé un petit peu là. Oscar, Echo, 700-800 mètres à gauche, en respectant le village qui est là. Donc on voit bien la piste, 2 km. 7-0-0-4. Je vais être sur Lan, au passage il est 11. Station Kepler en même temps que... En 11h12, voilà. Donc, 800 pieds, ça me va. Voilà, donc je respecte la proximité. Personne. Voilà, 1800, même encore de la marge, hein. On est 1500 pieds là, c'est-à-dire 450 mètres. Voilà, se stabilise 1800. Et voilà. Ouais. La surprise du jour. Ouais, c'est vraiment désaffecté. Hein. Ouais, ça fait depuis... Alors après, donc j'ai regardé, hein, c'était donc une base de l'OTAN jusque dans les années 60 de mémoire. Et après, ça a été une base militaire. Alors donc, aéro bien sûr, et après ça a été une base militaire. Il semble bien qu'ils avaient le missile Pluton ici. Donc pas n'importe quoi. Charlie, deux fois vous avez je crois le désaffecté en 2012. Vous êtes contacté. On a Lan derrière. Le terrain il est quelque part là-bas. Je le reçois pas là, est-ce que vous pouvez dire. Donc maintenant ce qui m'intéresse c'est que. Alors j'avais prévu de faire un truc. Deux fois, je vous ai en mais vu l'heure, bon, c'est pas très long, c'était de faire ça là-bas. Bon, on va faire simple, on va remonter, bon on va tracer directement. Fox Hotel Fox Alfa Romeo. Paris Info, bien sûr, c'est très bien. Bon, je sais que les Fox Alfa Romeo, si vous me recevez, vous pouvez passer en 7000 avec Rennes Info 126-95. 1h44, on est déjà à moins le quart avec la ligne directe. Fox Hotel Yankee, Papa Tango. Fox Hotel Yankee, Papa Tango pour Paris Info. Oui, donc là, je pense que vous allez prendre un cap plus au nord. Au carburant, on est bon. Je reprends un cap 307 pour le retour sur Valenciennes, j'ai fait un cap 10. D'accord, Papa Tango, alors dans ce cas-là, vous pouvez passer en 7000 et avec Lille Info 126-480. Je repasse 7000 et Lille Info 126-480. Merci, bonne journée, au revoir monsieur. Au revoir. Paris Info, le col Bravo Tango, bonjour. Oscar Echo Delta Echo Sierra, identifié radar. Oscar Echo Delta Echo Sierra. Voilà, identifié. Station Kepler. Donc Jean-Luc.
Le Fox Hotel Sierra, bravo Tango, un TB. En l'autre carte, bien sûr. À bord, provenance de Chamblay, destination du Pontier, actuellement niveau 85. Et donc la ville, elle est bien à droite en dessous là. Ça, c'est de Code et le cours d'eau de Canal de Sambre, à l'Oise. Ok, 2700, je remets 2500. Fox Hotel Sierra, bravo Tango, 66 20 7020. Donc si tu veux faire du vol VFR, tu prends la ligne qui part de Lan et qui fait une route 350, c'est-à-dire directement au nord. Et je vais essayer de l'intercepter. Paris Info de Fox Bravo Victorian Z-Box, rebonjour. Fox Bravo India Victor Alpha identifié. Donc voilà. Donc on a couvrant dans le cul, on a une route qui passe en dessous. Paris Info okay, de donc on est quelque part par là. Bonjour. Je vais faire en dessous. Bravo, identifié. Ah, je l'avais réuni, mais il trouve le moyen d'accélérer encore. Donc j'allais dire, faut pas aller trop loin. Tu vois, regarde. Bravo Tango. Faut pas se rapprocher trop des yeux, regarde un peu lui. Pour vous, vous allez pouvoir passer en 7000 et contacter Lille Info 134-825. 134-825. Merci et au revoir. Au revoir monsieur. C'est avec... On a 16 nœuds de côté. Ça fait 6 degrés à peu près. You can leave the donc, voilà. Donc là tu vois la puissance de tout, c'est que... Et tu restes en portant. Have a good day, thank you very much. Goodbye. Paris Info de Fox Bravo Victorian T-Fox, bonjour. Bravo Victorian T-Fox, bonjour. Donc DR400, 3 personnes à bord en provenance de Reims à destination de Deauville, actuellement à 2006 QNH. Devant la Fox, bravo Victor Yankee Fox, vous allez afficher 70 10 7 0 unité 0. 70 10 LSAV info, on est d'accord. Fox Hotel Alpha, Charlie deux fois. Charlie deux fois, oui, on vous écoute. Avec Beauvais 123 985 et 7000, au revoir. 123 985 et 7000, c'est reçu. Paris Info du Fox novembre 23, Fox Lima, bonjour. Novembre 23, Fox Lima, bonjour. Et bonjour, ici le novembre. Alors en gros, maintenant l'idée c'est de se démarquer de ce truc-là. À bord, en provenance de Lunéville, on a dit 350, là, je suis en train de dériver. On vient d'être là, je degré 344, s'il vous plaît. En gros, on cherche les alignements des lieux. 12, 70, unité 2. Voilà, j'ai mes 6 degrés. Fox Lima, 16-12, en profondeur. C'est celui qui est là-bas, non? Bah non. Ah non, t'en as d'autres là-bas. Voilà, ouais, donc en fait, on voit tous ces champs qui sont là. Il y a des éoliennes là, là-bas et encore plus loin. Donc là, quand on est ici, on voit bien qu'il y en a là. Donc on est plutôt par là. Il y en a à gauche, là, voilà. Donc on doit être probablement par là. On a un patin ici. On a de l'eau. Ce que je voulais suivre en fait c'était l'eau. Nous avons 23 Fox Lima. Paris Info, Fox Mike Yankee, bonjour. Paris Info de Fox Lima. Fox Mike Yankee. Fox Fox Golf, devant mon Mike Yankee, un AT3, deux personnes à bord en provenance de Souchon, on a relevé au niveau des Champs-Élysées à 1800 pieds. Donc c'est 22, 32. Fox Golf, devant Mike Yankee, 70-03-7003. 22. Paris de Fox Kilo Golf, bonjour. Fox Golf, 5 Kilo Golf, un DR48 en provenance de Toussus à destination de Deauville. 3 personnes à bord, on est actuellement au niveau des étangs de Hollande. Donc voilà, je suis passé en mode CDI, ce qui fait que CDI c'est le tracé qui est là. Légèrement, sur le côté par rapport à ce qu'il y a eu. 700 unité Fox Kilo Golf. Vous avez du trafic à proximité, vous ferez attention. C'est bien pris Fox Kilo Golf, on a plusieurs trafics qui sont partis en France donc de tous. Donc en gros maintenant évidemment quand t'as ça sous le nez Mike Chanty, vous êtes identifié. Filtré, tu te poses pas de questions. Moi j'aime bien suivre la carte. Trafic gauche-droite dans vos 12h 30 secondes. Oh mais ça c'est pas
Donc on a déjà Valenciennes en fréquence préparée. Paris, information du Fox Novembre Alpha, on a terminé les évolutions, on fait retour vers Lloyd pour quitter la fréquence. Novembre Alpha, vous pouvez voir, passe en 7000, au revoir. 1, 2, 3, et 1. Donc là, non, tu vois, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait ces patins qui sont à gauche, là. Ouais. Maintenant, il y en a deux qui Paris, sont à droite. Océan, Océan, Golfe, on va pas tarder à passer au-dessus de l'eau. Donc, patins à droite, pas tarder à passer au-dessus de l'eau. Mike, est-ce que vous avez le visuel qui est en train dans vos 12h, 30 secondes devant? Non, il faut que ce soit ici. Très bien. Donc, on est à peu près à peine 2 nautiques. 1 minute. Oscar, Oscar Oscar, Oscar, 8-5 pour Paris Info, bonjour. Voilà, nous avons un VFR au départ de Eco Bravo Alpha Victor avec le vol à destination de Saint-Cyr-l'École. Deux personnes à bord, nous avons 7000 au transpondeur et actuellement nous volons à 2400 pieds et nous quittons donc la fréquence de l'île Info. Oscar Oscar Golf 85, vous avez affiché 70-11. Excusez-moi. 70-11. 70-11. Donc là on passe au-dessus de l'eau. Ouais. Donc on est bien là. On a des champs d'éoliennes, il y a un tout petit truc qui est devant nous là, regarde toi, 595. Golf uniforme extrait bravo, ouais. Identifié. Okay. 339. Golf novembre, novembre Lima, Paris Info. Fox novembre Lima, j'écoute. Vous allez pouvoir passer en 7000 et contacter Lille 126-480. 126-480 avec Lille. Reçu, merci, au revoir. Monsieur. Fox Delta Oscar, j'écoute. Mesdames et Oscar, je vous appelais parce que je n'avais pas de contact radar, mais je l'ai à l'instant. Donc poursuivez, rappelez en vue de Valenciennes. On rappelle en vue de Valenciennes, Fox Delta Oscar. Ok, donc piloter, tout va bien, naviguer, on n'est pas largué, toujours en altitude, à 100 pieds près, en temps je suis repéré, on a la fréquence, j'annonce minutes, donc on a, en gros on est 5-6 minutes avec Lille. Lille a information du Fox Golf novembre, novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, je vous rappelle. Donc ça, ce truc-là, c'est ultra sécure. Bon, après, on a ça aussi. Hein. Ouais. Là, tu jettes un coup d'œil. Novembre en... Lima, plan Lille. Bonjour, je vous écoute. Fox, Golf, novembre, novembre Lima, DR 400. Trois personnes à bord, départ de Logne, destination Valenciennes, Alpha Victor. Nous sommes à 2600 pieds, en fréquence avec vous pour une 5-6 minutes. Aussi novembre Lima, transpondeur 6120 QNH 1016. Transpondeur 6120 affiché, QNH 1016, reçu, merci. Voilà. Donc altitude corrigée, donc on a perdu peut-être 100 pieds là quand même. Ouais. Donc 2500 pieds était une altitude standard. Remonter pour me remettre à 2700 pieds. Bonjour à la Toulouse, ça permet d'assurer les séparations, tu vois. Si t'as une majorité de personnes qui disent 2500, c'est bien, ouais, ben moi je vais être au-dessus, ou en dessous. Ouais. Il y a pas de... Alors, étonnamment, il n'y a pas de dérive. Bah, il suffit de 150 pieds, hein, ça suffit. Hein. Si tu vois un appareil passer à 150 pieds de toi, je te garantis que... Kilo Eco, pas de trafic connu à signaler, à marque l'arrière de descente. La caméra sur ma tête fonctionne? Ouais. Ça fonctionne, c'est ouais, ça fonctionne. Les Mayanki direct left door. Celle-là, si elle fonctionne. Direct left door, on a tous les mains. Donc là, on a... Le truc, l'eau qui remonte, hein. Alors l'eau tu la vois parce qu'il y a beaucoup d'arbres en général, à proximité de l'eau. Donc quand tu vois des cheminements d'arbres, probablement de l'eau. Et on a un gros patelin au-dessus. Un gros patelin là, ça doit être celui-là. Runner to Lima Yankee, contact Paris 128-275. On n'a plus le canal de tout à l'heure. Bonjour, non, c'est pas forcément de l'eau. Bonne journée. Hein.
Il info de Fox Delta Oscar, on est en ville de Valenciennes pour quitter. Il y a du en général, avec eux. C'est plutôt pour les trois. Fox Delta Oscar, affichez bien 7000 transpondeurs, vous pouvez quitter, au revoir. 7000 transpondeurs, on quitte, au revoir et merci pour le service. Donc l'oreille très importante, le moteur tu l'entends. Bonne. Est-ce que tu peux passer la vague s'il te plaît? C'est l'info du Bravo Tango pour remonter au 85 pour passer davantage avec les nuages. Allez-y, Bravo Tango 85, merci. Merci. Bravo 85, Bravo Tango. Donc, le point de repère le plus facile qu'on va avoir, c'est de redescendre encore. Oui, j'ai plus mes 2500 tours. Là. Ouais, toi, regarde, on a la voie de chemin de fer là. Ouais. Un beau louvoiement comme ça à droite, regarde. Pile comme sur la carte, donc là il n'y a aucune ambiguïté, on est là. Ouais. À peu près à 5 minutes de vol, j'ai envie de dire. Annoncer lui. Donc on a Solem ensuite, qui est une grande, grande ville. À l'ancienne, 122 605. Donc là j'ai commencé à revoir que j'avais déjà vérifié. Donc on est 1200 pieds sur le terrain. Le plus probable compte tenu du vent, c'est qu'on soit sur la 11. Donc ça veut dire qu'on va arriver plutôt par l'est. La route elle est ici au centre. Donc on va avoir une confirmation, éventuellement d'autres nous le diront. C'est-à-dire qu'en fait on fait ça, hop, un demi-tour, on s'éloigne. Et on va revenir pour faire un cheminement comme ça. Moi j'ai préparé le long là. Et puis de toute façon celui-ci c'est pour la piste en herbe. Donc on s'en fout. Donc c'est arrivé par le 29, par le 290 en gros. Donc ça sera une quarantaine de degrés à gauche. On a Solem qui est... Hey, on a Valenciennes là-bas. Ouais. Ok, duel, j'ai compris. Donc, là je vais volontairement à droite puisque je veux arriver par l'est, comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que la ville elle est plutôt à droite. Et à gauche j'ai des grandes barres en blanc là. Ouais. Et ici... Bon alors évidemment je l'ai préparé, hein. On a des grands trucs en blanc là. C'est probablement ça. Ça veut dire que le terrain il est derrière là, quelque part à droite. Donc on est 2400 pieds, pour le moment c'est bien. Donc on passe à gauche de celle-ci, j'ouvre à droite. Donc je sais où focaliser mon attention pour trouver le terrain. Je suis haut puis je le vois de loin. Il info, Foxtrot Papa Tango en vue de Valenciennes pour passer sur leur fréquence, altitude 2600 pieds s'il vous plaît. Papa Tango aussi, affichez bien 7000 au transpondeur et vous pouvez quitter. Pour information de trafic dans le tour de piste de Valenciennes, le premier est dans vos 11h pour 5 nautiques, 1000 pieds bas sans s'opposer. A plus tard, au revoir. Bien reçu pour le trafic, transpondeur 7000 et je passe sur Valenciennes 122 605. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Il faut que Kilo Echo en descente à l'île. Kilo Echo reçu, vous pouvez quitter, à plus tard. Donc là j'ai une petite tension. Donc à la rigueur je vais chercher la tension qui m'amène dans l'axe. Sachant que c'est aussi un point de repère pour ma base et tout ça. Fox Charlie Romeo Tango, bonjour. Un DR400, deux personnes à bord en provenance de Valenciennes pour un vol local secteur sud, 1600 pieds, Fox 3 Romeo Tango. Reçu Romeo Tango, transpondeur 6120, QNH 1016. Et pour info, un Technam P2008 dans vos 1 heure de nautique 1000 pieds haut en sens opposé qui va vers Valenciennes, il va peut-être se mettre à descendre. 6120 au transpondeur QNH 1016 et j'ouvre l'œil pour le Technam en sens contraire, Foxtrot Romeo Tango.
L'île du Fox, novembre Lima. Je rappelle novembre Lima. Novembre Lima, je vous écoute. Donc le Fox novembre Lima pour vous quitter également pour Valenciennes. J'ai bien suivi les informations de trafic et au moins donc 2-3 appareils qui vont être dans le circuit de piste. Oui, c'est ça, novembre Lima, il y en a un qui a l'air d'être en train de terminer de s'intégrer sur le tour de piste. L'autre qui arrive à Valenciennes qui est dans vos midi pour 3 nautiques, 500 pieds bas, droite, gauche. Et l'autre qui fait des évolutions midi également, 4 nautiques qui est par contre 1500 pieds qui reste à l'est du terrain. Vous pouvez afficher 7000 au transpondeur et quitter, au revoir. 7000 au transpondeur, on te dit au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Valenciennes Info du Fox novembre Lima, bonjour. Bibel sur un appareil. Valenciennes Information, le Fox Golf novembre Lima, DR400, 3 personnes à bord, provenance de Logne à destination de vos installations pour un complet. Nous venons de quitter l'île, nous avons donc connaissance de 2 voire 3 trafics dans le circuit visuel sur un qui s'approche de la verticale. Nous sommes 2500 pieds, on rappelle le terrain en vue. Valenciennes de Fox Delta Oscar, vent arrière pour la 29. Voilà, et donc on s'accélère. Valenciennes, Fox Papa Tango, 1 minute de la verticale des installations, altitude 1700 pieds, j'ai le visuel sur l'appareil en vent arrière 29. Donc je vais m'intégrer pour la 29. C'est reçu pour le vent Brolima sur la 29, visuel sur l'appareil qui approche en verticale, donc on vous garde à vue, on s'intègre derrière vous sur la 29 également. Ok. Donc, d'ores et déjà, je mets la pompe. Je mets la réchauffe à visuel sur le terrain. Ok, ça y est. Alors maintenant, le tout, c'est de faire la trajectoire. Alors, demi-tour, on a la pompe, la réchauffe. Et novembre Lima, on a le visuel sur le terrain. On est 2200 pieds. On s'approche de la verticale, on rappelle verticale. Alors, on réfléchit. Sur la 29, il fait ça. Donc moi je vais me mettre plutôt à droite pour être sûr de toujours rester au-dessus de lui. Et qu'on va faire ça. Maintenant on continue droit en fait et on va s'intégrer. Donc tu vois les gros bâtiments qui sont là-bas, on les vise. Valenciennes, Foxtrot Papa Tango, verticale des installations, je m'intègre pour la piste 29 dur et ce sera pour un complet. Ok, donc là on est au-dessus, on est 900 pieds, donc au-dessus des 1200, donc on est sûr. Pas de visuel sur l'appareil qui est en vente arrière. Il n'y a pas de problème. Visuel sur celui qui est là-bas. Alors ici, il y a une particularité. En pied, on ne va pas descendre en dessous, on reste à 1200 pieds. Valenciennes de Fox Delta Oscar, en base pour la 29 dur, point complet. C'est reçu pour Delta Oscar, on a un visuel sur toi Thierry, on est juste à tes 1h, 2500 pieds haut. Reçu, novembre Lima. Ok, 1100 pieds, 100 nœuds, 2000 tours. Voilà, donc tu vois, lui, il vire au-dessus des grands bâtiments là-bas. Ouais. Que j'avais pensé faire aussi. Alors, chaîne de Fox Data Oscar, en finale 29, je me pose. Alors, on va regarder. On est bien. Route, on a un vent 40 degrés gauche, ah, un peu fort quand même, on est dans les 15-20 nœuds. Donc on va mettre du nez à gauche. Valenciennes, novembre Lima, on est vertical terrain. Visuel sur l'appareil qui se pose et j'avais un visuel il y a 30 secondes sur celui qui passera en fin de vent, en début de vent arrière. Là-bas. Là-bas, 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 non.
Mais en fait, tu vois les cylindres, les cylindres gauche, piste 29 du rond-point incomplet. Au-dessus des silos au niveau des arbres. Je ne vois pas, mais je... Ah si, visu, c'est bon. Ok, visuel. Fox Novembre Lima, on passe en traversier, on a visuel sur l'appareil qui est en début de vent arrière, on se met derrière numéro 2 donc. Ok, à partir de maintenant, ralenti. Tant qu'on le perd pas de vue. On est faire, 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 tout va bien, la caméra tourne. Donc là, il faut un petit peu slalomer entre les patins. Demi-tour. Ah non, c'est 1800 tours sur celui-ci. On réchauffe. Et on va se stabiliser. 2000 pieds. Et là, il est là-bas. On passe en dessous dans l'arc blanc. Hop, un cran de volée. 800 tours, volet gauche, droit, 82 même sur... Voilà. Donc il faut se mettre à l'extérieur des patelins, on avait les... Bonjour, l'ancienne de Fox Delta Oscar, la 29 est dégagée. Je roule au parking. Perdu 80 pieds. L'ancienne info, Fox Novembre Lima, on est début de vent arrière, reçu pour la piste dégagée, visuel sur le trafic qui est en fin de vent arrière. Donc ici on est sur du 110 quelque chose, 140, j'attendais de passer ici pour prendre mes 30 degrés. Je ne suis pas tout à fait sur le publié, un peu bizarre là, un peu bizarre. Trajectoire pour le rejoindre un peu. Voilà. Ancienne Foxtrot Papa Tango, basse main gauche, piste 29 dur, point accompli. Voici devant Rolima, il n'en sait rien. Donc on est un poil plus, mais pas aussi loin que j'aurais pensé. 200 pieds, 89 nœuds. Voilà, comme ça. Alors, pour la base, c'est pas compliqué. Les espèces de champs de transformateurs, là. Ouais. Non, ici, en fait. En fait, on le voit, là, tu vois. Il y a plusieurs lignes, et tout d'un coup, il n'y en a plus qu'une seule. Donc, le transformateur, c'est le point de dernier virage pour l'alignement. On est stable 200 pieds, il passe en base verticale dessus, tu vois. Ouais. Donc ça confirme tout. Il est bas, non? Un peu bas à mon sens, ouais. Moi j'avais marqué plus d'ici 2000 pieds. C'est-à-dire en fait on descend peu parce qu'on est relativement loin. Final 29 C'est reçu pour le novembre l'image, je prolonge un peu ma vente arrière. Alors si je la prolonge, je vais monter un poil 200 pieds. Donc je garde un visuel sur le transformateur, on est en 10, donc je récupère mes degrés, 9 nœuds de vent de travers. Fox Delta Oscar au parking, on quitte à tout à l'heure, au revoir. On est vertical de haute tension. Ouais. Donc là je prolonge parce que sinon on va le taper, enfin, on va faire une remise de gaz. Donc novembre Lima, j'attends votre information courte finale pour passer en base. Ok, je remonte un peu. À l'ancienne, Fox Papa Tango, courte finale. C'est reçu pour novembre Lima, merci, on passe en traversier. Donc là, je vais rester 300 pieds, il faut que je fasse un virage avant le patelin. Ok, donc on est avec 2300 pieds, l'horizon là-bas. On se met 30 degrés.
60, 80 nœuds, donc on est sécure, on a la piste. Ah, je réduis. Je réduis tout, j'ai la... Je mets deux crans de volée. Donc on est près de remise de gaz. Fox Papa Tango, la vitesse est maîtrisée. Je remonte et j'évacue la piste par le point d'attente alpha. C'est reparti pour le novembre Lima. Donc on est en finale, on passe sur le point de base sur la vague. Ok, 70 nœuds, donc on est un poil rapide, pour réduit. On a vu qu'il y avait du vent de gauche, donc je suis prêt à mettre gauche, pas de lavage. J'ai mon point d'aboutissement, je vise les doubles chevrons là-bas. 2, ok, je suis plus. 70 nœuds, c'est convenable. Droite de l'axe, je compense. Nœud vent de travers, donc j'ai intérêt à mettre. On est en pied, donc on sait pas quand même. Ok, on bataille un peu. 875. 10 nœuds de face. On plancher. On est dans l'axe. Je vise loin. 70 nœuds stables. Je suis en train de me faire des sur la droite, donc je compense. Nœuds stables, cherche loin. En stable. Route, hein. Ok, on a vu qu'il sortait au niveau des barres suivantes là-bas. Ok. Donc là, je réduis. Valenciennes, Fox Papa Tango, j'ai évacué par le point d'attente alpha, je rentre en gare 6. J'ai reçu visuel, donc les courses. Novembre Lima posé sur la 29 à Valenciennes, vitesse contrôlée, on cherche la sortie, bravo. Manche droite, manche à gauche et du droite. Eh ben dis donc, Ouais, ça tangue bien hein. Je vois pas la biroute mais... J'ai du manche complet à droite tu sais. Ah elle est pas droite mais presque. Ah ouais, ça fait deux fois de suite là, on a des... Bon alors le premier qui voit le point de... Ah ça y est, le l'engine. Non, non. Ah oh, bah c'est bien, ça bouge pas Damien. Ah nickel. Pas grave. Ouais, c'est... Aucun problème. Valenciennes, Foxtrot Papa Tango, en gare 6, je quitte la fréquence, au revoir, bonne journée à tous. Bah finalement, il y a un taxi voyandur. Ah ouais, non mais il était loin en fait. Là on est tombé sur le bon axe donc c'est bien. Par contre ça veut dire que tout à l'heure il va falloir remonter la piste. Oh là, il y a un truc là-bas, dis donc. Valenciennes, 29, dur dégagé, novembre Lima roule au parking pour rejoindre. Delta Oscar. Besoin de pompe, pas de réchauffe. 7000. Si on regarde la vague, on tombe direct dans les parkings, a priori là. Bon, c'est un PA28, donc il doit être à gauche là. Ouf. Le est un concept changé, finalement. Yep. Bah je vais me mettre, où est-ce que je vais me mettre?
mettre là-bas. Hein. Dans ce cas, il est là. Mais si je fous là, je suis en plein sur la trajectoire, donc c'est pas top. Je vais éviter de mettre les pieds dans le gazon. Ah, lui, il est passé par le gazon, je pense. Ouais. Mais bon, après, le problème, c'est que lui, il a pris la place qui m'intéresse, quoi. Enfin, celui d'à côté. Donc, je vais me mettre de l'autre côté, là-bas. Pas le choix. Bon, ben, c'est la première fois que j'envoie un dossier près, lui. 42. Ouais. Que je pensais. Oh, dis donc, c'est... C'est terrible, hein. J'adore ça. Bon, alors, on va se mettre comme ça, ce qui fait qu'après, on pourra carrément tirer pour aller à l'avitaillement, c'est simple. Oh, bonjour. On va se mettre loin de lui. Voilà. On le repoussera tout à l'heure. Ouais, on le repoussera. Donc on se met. Valenciennes du Foxtrot Golf Charlie Romeo Tango, bonjour. Valenciennes du Foxtrot Romeo Tango, DR400, deux personnes à bord, retour vol local secteur sud. Je suis à 3 minutes de la verticale terrain à 1600 pieds. Novembre, novembre Lima, nous sommes donc à Valenciennes, piste 29 active, vent environ 15 nœuds venant légèrement de la gauche. Nous quittons l'écoute, au revoir, bon atterrissage. Pas répondu. Alors. Un parc, je le mets, on va l'enlever tout à l'heure. Elle, elle s'est éteinte, je sais pas à quel moment. Ah ouais, bon, il ne doit pas y avoir longtemps parce que y a un moment où t'as fait un check et tout était bon. Ouais, bah elle a dû s'éteindre à la fin, c'est pas grave, tant pis, on fait avec. Alors, les volets sont sortis, tout est éteint ici, c'est parfait. Il est 11h46 pour la fin de moteur. Alors. Qu'est-ce qu'on lit? 316 heures avec 39 minutes. On est d'accord? Oui. Tiens, regarde, je vais mettre tout le monde d'accord. On va commencer par moi. Ok. Tu peux retirer ton casque. Je l'ai. Voilà. Ok. Bon alors, petit débriefing, monsieur le passager. Ça fonctionne toujours là-haut d'ailleurs? Ça fonctionne toujours. Bon, ben, c'est bien. C'est chouette. C'est chouette? Ouais. Ça donne envie? Oui. T'es sûr que t'as envie de devenir pilote? Oui. Je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Te concernant. Non, t'as pas envie. T'as pas envie. Figure, mais je me tente pas. Si, si, j'ai super envie. Ouais, hein, ça fait du bien, c'est beau. Hein. J'adore. C'est sympa. Hein. J'adore. Bon, ben voilà, tu vois. Petit peu de navigation à vue, un petit peu de navigation. À la carte et avec le bazar. Oui, oui. Atterrissage intéressant, parce qu'il n'y a pas souvent de finalement de beaucoup de monde comme ça dans un trafic. Hein. Ouais, sur c'est ça. Info, oui, c'est plutôt pas mal. Oui. Marc, t'es pas loin de l'ONU là, finalement. Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut. Et au passage, bah, l'intérêt c'est que tu as déjà l'information de base, quoi. Donc t'as pas de surprise. T'as déjà le temps, t'as vu à 2 minutes avant, j'avais déjà le temps de commencer à calculer la trajectoire et tout ça. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Et la coordination avec Thierry, impeccable. Ouais, ouais, alors là, franchement. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi, quoi. Non, là, c'est... Je m'épate moi-même, là. Tu peux. Comment c'est possible, Jean-Luc? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Il y a un truc que mais j'ai tu merdé. Es un génie, mais... Non, non, mais j'ai merdé, là. J'ai merdé, là. C'est pas possible. Tu couperas ça à la caméra. Hein, c'est non, 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 je coupe rien du tout. Ok, allez, bon, on va libérer tout ça. On va... Alors... Déjà... Voilà, donc tu vois... C'est déverrouiller ça, c'est ça, ça... Et ça.
Yes. Voilà. Thank you.